Je pense que nous avons fait beaucoup de travail positif, en particulier qui a permis à Jean-Jacques Ferrat d'être élu, que nous allons continuer à le faire. Et c'est vrai que si depuis 2 ans, les choses ont été peut-être un petit peu plus calmes, ça ne veut pas dire que le futur ressemblera au passé. Alors, dans quelques mois, le futur, justement, c'est la disparition des fédérations départementales au profit d'une seule fédération régionale. François-Xavier Tchekoli a été élu en Haute-Corse. Comment comptez-vous vous entendre avec lui? Qui sera le patron des Républicains en Corse? Alors ça, d'abord, nous avons un travail avec François-Xavier Tchekoli à effectuer. Ce travail, nous sommes fixés un agenda de proposer d'ici 2 mois. Nous sommes fixés à la date du 13 décembre à Laurent Wauquiez et aux instances parisiennes. Eh bien, le projet est de cette fédération unique afin que qu'il puisse d'abord modifier les statuts de notre parti pour pouvoir. Vous n'êtes pas encore décidé pour savoir qui dirigera cette fédération. Écoutez, déjà, on sort d'une élection en Corse du Sud qui a été un petit peu particulière, puisque j'essaye de montrer des signes d'union et d'unir tout le monde depuis 12 ans. Malheureusement, le spectacle que nous avons donné hier n'était pas de nature à montrer ça. Et justement, pour les élections municipales à Ajaccio, est-ce qu'il y aura un candidat des Républicains, puisque Laurent Marcangeli ne fait plus partie de votre parti? Absolument. Alors, il y aura Il y aura un candidat des Républicains. Absolument, Laurent ne fait plus partie de notre parti. Il y aura des candidats républicains, au minimum sur la liste de Laurent, nous discuterons de ça. Ça fera partie aussi du travail que nous aurons à faire. Et comme je l'espère, nous trouverons un accord, il n'y aura pas de liste républicain à Ajaccio. Et vous-même, alors, est-ce que vous serez candidat aux prochaines échéances électorales, européennes, municipales, territoriales? Je vais vous faire une réponse très politique, je ne m'interdis rien. D'accord. Au niveau national, on voit que Stéphanie Grimaldi a pris ses distances. Laurent Marcangeli, on l'a dit aussi, avec le Parti des Républicains, ne se sentent plus à l'aise dans la ligne de droite conservatrice imposée par Laurent Wauquiez. Vous, comment vous vous sentez au sein de ce parti aujourd'hui, idéologiquement ? Je me sens très bien au sein de ce parti. Nous pouvons avoir des divergences à certains moments. Il n'est pas question de s'entendre sur tout. Si Stéphanie et Laurent ne se sentaient plus bien, ils ont eu raison de le quitter. Pour ma part, j'y suis très bien. Vous étiez bien sous l'ère Sarkozy et vous êtes bien sous l'ère Wauquiez. Et je suis bien sous l'ère Wauquiez. Merci beaucoup Marcel Franchi d'avoir accepté notre invitation.